Pendant 5 ans, entre avril 2016 et avril 2021, j'ai été en contact ouvert et frontal avec un éventail de différentes espèces interstellaires, 29 extraterrestres, 11 hommes et 18 femmes de 8 lignées différentes, en direct, en audio et à l'écrit, les Andromédiens, les Pléiadiens Téguétans, les Humains et les Draconiens, et en immersion holographique et télépathique, les Agartiens Télosiens, les Alpha Draconiens, les Arcturiens Diazeli Antiplex et les Urmas. Avec lesquels j'ai eu des centaines de conversations personnelles depuis leurs vaisseaux spatiaux ou depuis Viera Andromeda, une gigantesque biosphère artificielle andromédienne, un aéroport cosmonautique stationné derrière la Lune. Permettez-moi de me présenter brièvement. Franco-américaine, professeure universitaire, je suis diplômée en sciences du langage et de la communication, et en art graphique, je suis humaniste et écrivaine. Je suis née il y a 73 ans, le 14 juillet 1948, et je me suis engagée très jeune, dès l'âge de 16 ans, dans une quête spirituelle pour répondre à la question « Qui suis-je ?» Je suis devenue ermite et moine de forêt et j'ai voyagé dans de nombreux pays, en Europe, aux USA et en Inde, mais également en Afrique du Nord, en Amérique centrale et du Sud ou en Asie de l'Est, dans une inlassable recherche des réponses à ma question et pour découvrir les secrets de l'univers et de l'illumination. Je fus inspirée et j'ai travaillé avec de célèbres philosophes bouddhistes et hindous, et je partage le fruit de mes recherches et de mon travail depuis plus de 50 ans. Mon rôle en tant que médiatrice est de faciliter un processus neutre et bienveillant par lequel les parties engagées se comprennent et tentent de dialoguer. Ce processus varie selon les contextes d'application. Il comporte des éléments de pédagogie et de qualité relationnelle et donne lieu à la créativité et un nouveau sens de soi-même basé sur les principes d'équilibre, d'autonomie, de responsabilité, d'écoute, de respect mutuel et d'attention à l'autre. Dans le monde duel terrestre, la dichotomie consiste à le diviser en parties
dépendante et disjointe. Deux choix au moins sont proposés à votre libre arbitre, qui n'a d'ailleurs pas lieu d'être puisque tout est un. Gauche et droite, bien et mal, matériel et spirituel, chaque côté est partie intégrante du même script. Le libre arbitre que vous pensez avoir n'est que celui de faire un choix entre deux solutions qui sont toutes les deux enfermantes. En choisissant l'une ou l'autre, vous sombrez immanquablement et continuellement dans ce dont vous essayez de vous libérer. Mais il est une autre perspective, tétravalente, peu empruntée pour l'instant, que l'humanité doit développer, celle où nous évoluons ni pour ni contre, dans une dynamique universelle, immarcessible. Laissez de côté vos attentes, vos espoirs et vos craintes. N'essayez pas de vous convaincre de la manière dont les premiers contacts extraterrestres vont se dérouler, où et comment, ni avec quelle race. Car selon l'article 8 de la directive première, dont vous pouvez prendre connaissance, page 100, les délégations qui seront désignées doivent avoir l'apparence physique et la ressemblance la plus proche avec la race contactée, et dans la mesure du possible, le protocole vestimentaire de la race contactée doit être respecté et utilisé. Ce seront donc des races interstellaires qui ressemblent aux terriens, comme les humains, du mot, une partie des Pléiades, M45, des Syriens ou des Alphratiens d'Alpha du Centaure. Entre-temps, préparez votre présentation écrite et orale. Réfléchissez aux aspects les plus importants et significatifs de votre vie. Travaillez-les en profondeur pour les présenter de manière simple, claire, honnête et spirituelle. Développez la méditation, votre intuition et la télépathie. Acquérez les connaissances qui vous manquent en vous formant grâce à ce livre. Nourrissez le calme, la sérénité, une attitude neutre, sans être indifférente, une attention vive et curieuse d'apprendre et de découvrir, et orientez vos pensées vers l'élévation de la condition humaine pour que les rencontres avec nos voisins de l'espace soit fructueuse
enrichissante et surtout équilibrée. Nous vivons les derniers moments d'un monde qui s'étiole et nous assistons à la naissance d'une nouvelle ère de l'humanité terrestre. Devenez conscient que nous sommes à l'aube d'un incroyable événement qui marquera à jamais l'histoire de notre époque, celle de l'interstellarité. Tout est ici, maintenant, accessible, tangible, malléable. Ne faites plus de choix. Soyez.